Bonsoir à tous. Eh bien, nous allons prendre encore un instant ce soir pour méditer un deuxième passage du Livre du Ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'immerge dans tout ce que tu es. Je me fusionne en toi, je me consume en toi, je m'identifie à toi. Et je te supplie de me redonner, eh bien, cette ressemblance que nous avons perdue au fil des siècles en nous plongeant dans nos volontés propres, en ne voulant pas de toi, en te tournant le dos, Seigneur. Pardon infiniment et vraiment viens travailler nos âmes. Retire, eh bien, de nos cœurs tout ce qui ne provient pas de toi, tout ce que nous avons établi de par nos volontés propres, retire tout, Seigneur, dépouille-nous de notre ego et viens créer cet espace nécessaire pour t'installer avec le Père, le Saint-Esprit. Viens agir à partir de toutes nos humanités que nous t'offrons, Jésus. Viens que nos humanités soient des extensions de ta propre humanité, que nos vies, eh bien, soient des répétitions, uniquement des répétitions de ta vie à toi. Utilise-nous pour distribuer tous les fruits de ta rédemption. Viens agir à travers nos mains, nos regards, nos paroles, nos pensées, nos pas. Tout est pour toi, Seigneur. Nous nous abandonnons complètement entre tes mains et te demandons un jour de plus, eh bien, cette grâce de ne vivre que par toi, que pour toi et qu'en toi. Viens Jésus, dispose nos âmes maintenant, dispose nos intelligences pour que nous puissions eh bien, recevoir ce nouveau passage que tu nous donnes, vraiment pour que nous nous transformions, que nous grandissions en sainteté, que nous nous rapprochions de toi et que nous t'aimions chaque jour davantage, alors qu'aucun des mots ne se perde Jésus et que tous ces mots que tu as bénis sont vraiment des parties de toi, eh bien puissent fructifier et nous transformer, nous purifier et vraiment te rendre gloire, Seigneur, que nous puissions te rendre gloire par nos vies. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 14 octobre 1918. Alors il y avait 2-3 passages avant que je ne vais pas méditer, où Jésus eh bien, traite de sa justice divine. Voilà, il parle de sa justice divine en disant que voilà, il y a énormément d'offenses partout, dans tous les niveaux de la société, des offenses qui le font terriblement souffrir aussi du côté des âmes qui lui sont consacrées. Et vraiment, voilà, il dit « Mon chagrin est grand, les blessures de mon cœur sont profondes, etc. » Donc, il demande à Louisa vraiment de s'unir à lui, de réparer avec lui, d'unir ses prières aux prières de Jésus, etc. Et alors, il explique dans un autre passage eh bien que sa justice est équilibrée, que ça fait partie de ses attributs divins et que parfois, eh bien, comme un amour immense pour ses enfants, parce que c'est un bon père et qu'il veut sauver chacun de nous, eh bien, que parfois, il doit autoriser des choses plus difficiles, qu'il appelle ici des fléaux, voilà, pour que les hommes reviennent à lui. Il va d'abord essayer par des stratagèmes d'amour, en venant tout près de ses enfants, tout près de toutes les créatures, en les immergeant de grâce, de bénédiction. Mais si les cœurs sont trop fermés, ils ne peuvent pas recevoir. Et quand il voit que des âmes sont en train de se perdre, alors que voilà, il essaye de les sauver. Nous sommes tous reliés à son cœur. Et quand nous nous échappons, quand nous ne voulons pas de son amour, que vraiment nous fermons nos cœurs et par là même nous fermons le cœur de Jésus, eh bien Jésus en souffre horriblement, ça le déchire, ça le blesse profondément. Et donc, il va essayer par encore d'autres stratagèmes amoureux de ramener ses enfants à lui. Et cela passe parfois par des choses plus difficiles que les hommes peuvent juger comme voilà, de grosses souffrances, etc. Mais c'est encore une énième façon d'essayer de sauver les âmes. Parce que voilà, le Seigneur dit que parfois dans ces moments-là, eh bien, les âmes se mettent à genoux et se repentent en fait. Dans les difficultés, eh bien, combien d'âmes ne reviennent pas à Jésus pour demander de l'aide, pour demander pardon, pour demander du secours. Mais c'est déjà un retour qui permet une ouverture de cœur et qui permet à la lumière, aux grâces et aux bénédictions de s'infiltrer. Donc voilà, tout cela, tous ces passages-là, je ne les médite pas, mais je vous en touche déjà un mot. Alors celui que nous allons méditer est celui du 14 octobre 1918. Donc c'est Louisa qui parle. « Je me trouvais dans mon état habituel, rempli d'amertume et de privation. » Louisa constamment se sent triste, dans un état d'amertume,
quand elle ne voit pas physiquement Jésus, alors qu'il vit dans son cœur, puisqu'elle est tout le temps dans la divine volonté, il est vraiment installé, enraciné dans son âme avec le Père, le Saint-Esprit, il agit à travers toutes ses prières, toutes ses actions, etc. Mais elle souffre, elle voudrait le voir plus tôt. Donc c'est là que nous avions vu le passage juste avant où Jésus dit, eh bien, même quand tu ne me vois pas, que tu te sens privé de moi, que tu n'arrives plus à prier, que voilà, tu es aux prises de doutes, etc. Continue, parce que vraiment c'est dans la persévérance que je me sens aimée. Et alors à ce moment-là, eh bien, c'est magnifique, tu viens vraiment consoler mon cœur d'une manière toute divine. Il y avait encore un autre passage qui suivait celui que nous avions vu, qui reprend exactement ce que je viens de dire. Voilà, Jésus dit à Louisa dans le passage du 12 août 1918. Tu ne peux pas comprendre la douceur que tu me fais quand tu as la sensation d'être oubliée. Donc voilà, quand Louisa se sent seule, que vraiment elle ne voit pas Jésus, elle a cette sensation que Jésus n'est pas là. Et que, ne me voyant pas comme avant, tu poursuis dans tes prières, tu continues, tu t'immerges en moi, tu continues même si c'est difficile, même si tu n'y arrives pas, même si tu as l'impression que tes prières, eh bien, sont pas aussi bonnes, aussi brûlantes d'amour. Eh bien, quand tu poursuis sans rien négliger, tu ne peux pas comprendre la douceur, vraiment l'amour avec lequel tu m'enrobes. Donc voilà, ça c'était pour compléter le passage que nous avions vu dans la vidéo précédente. Alors méditons maintenant celui-ci, celui du 14 octobre 1918. Donc je me trouvais dans mon état habituel, rempli d'amertume et de privation. Mon doux Jésus vint et me dit « Ma fille, j'userai de tous les moyens pour amener les hommes à se soumettre, à entrer en eux-mêmes et à comprendre que seulement par moi, ils peuvent arriver à une paix véritable et durable. » Donc vous voyez, ça rejoint tout ce que j'ai dit juste avant. Eh bien, le Seigneur va vraiment utiliser, comme il dit ici, n'importe quel moyen. Tous les moyens sont bons, voilà, par l'amour, par les grâces, par les cadeaux, une envie de prier plus forte. Voilà, Jésus va venir nous donner des inspirations, etc. Mais si le cœur est fermé, il va utiliser eh bien, d'autres stratagèmes d'amour. Cela va passer par des choses plus difficiles peut-être. Mais voilà, Dieu veut amener l'homme à se soumettre. En fait, tout ce qu'il veut, c'est que l'âme soit sauvée, que vraiment les hommes puissent eh bien, jouir du paradis à leur mort, puissent se repentir, puissent demander pardon et puissent être vraiment nettoyés dans la lumière de Dieu. Donc il veut vraiment amener les hommes à se soumettre, à rentrer en eux-mêmes et à comprendre. En fait, il veut que les hommes comprennent que seulement par lui, par Dieu, ils peuvent arriver à une paix véritable et durable. Ça veut dire que la paix ne peut s'acquérir que en Dieu. Pas ailleurs, pas dans les choses du monde, pas dans les choses qui peuvent sembler amener la paix. Mais Jésus est la source profonde de toutes les qualités divines à la perfection. Et donc voilà, si nous voulons la paix, n'allons pas la chercher dans des cours de yoga ou que sais-je, c'est en Dieu que nous allons la trouver. Ainsi, je ferai des choses inattendues pour confondre les hommes et leur faire comprendre l'instabilité des choses humaines. Donc voilà, parfois le Seigneur, pour toucher des cœurs, est obligé de faire certaines choses pour que les hommes comprennent l'instabilité de ce qu'ils ont essayé de mettre en place, voilà, dans leur petit monde, dans les choses purement humaines. Voilà, parfois on a l'impression que voilà, qu'on maîtrise tout, que voilà, tout est sous contrôle, etc., qu'avec notre volonté, on peut tout gérer. Et parfois le Seigneur autorise des bouleversements pour que l'homme comprenne que rien n'est entre ses mains, que tout est grâce et que tout provient de Dieu, et que si Dieu le décide, tout bouge. Voilà, et donc parfois que l'instabilité peut arriver, voilà, et qu'on ne peut pas tout contrôler puisque tout vient de Dieu. Voilà, seul Dieu est stable. Je leur ferai comprendre que seul Dieu est stable et que seulement par lui, ils peuvent espérer tous les biens. C'est seulement en Dieu que nous allons pouvoir espérer tous les biens. Si les hommes veulent la justice et la paix, ils doivent revenir à la fontaine de la vraie justice et de la vraie paix. Parce que voilà, Jésus est la fontaine de toutes les vertus à la perfection. Et donc si nous voulons la joie, eh bien revenons,
revenons à lui et demandons-lui sa joie profonde. Si nous voulons la paix, revenons la chercher dans le cœur brûlant d'amour de Jésus. Si nous voulons la justice, eh bien, Jésus est justice. Si nous voulons le pardon, allons chercher le pardon de Jésus et demandons-lui vraiment de venir pardonner en nous. Autrement, ils n'arriveront à rien et continueront à se perdre. Ma fille, il termine comme cela, « Ma fille, seulement mon doigt tout-puissant peut arranger les choses. » Donc vraiment, voilà, nous devons garder en tête et nous allons rester sur cette parole que le doigt tout-puissant de Dieu peut tout. Dieu est tout-puissant, il a tout entre ses mains. Et donc n'essayons pas de contrôler les situations avec notre volonté humaine, parce qu'à chaque fois qu'on se replonge dans notre volonté propre, eh bien, on fait grandir un petit peu notre ego. On chasse Dieu de nos vies, de nos cœurs. Au plus notre ego est démesuré, au moins il y a de place pour Dieu. Parce qu'au plus on agit dans notre volonté propre, au plus on remplit notre âme de noirceur. Nous devons mourir à nous-mêmes, faire mourir notre ego, notre amour propre, pour laisser plus de place à notre Seigneur. Qu'il vienne vraiment s'installer avec le Père, le Saint-Esprit, et qu'il vienne vraiment rendre notre âme lumineuse. C'est vraiment son doigt tout-puissant qui va pouvoir tout arranger. Alors demandons ce soir, eh bien, la grâce de l'abandon complet entre ses mains, de pouvoir être comme des argiles molles entre ses mains divines. Lui seul sait ce qu'il y a de meilleur pour notre sanctification. Alors nous devons lui faire une parfaite confiance, même si les choses nous paraissent de prime abord difficiles et vraiment nous avons envie de nous révolter contre ces choses, essayer de les maîtriser avec les moyens qui nous appartiennent, etc. Le Seigneur nous demande la confiance. Nous devons vraiment tout accepter comme venant de ses mains. Si nous acceptons tout comme venant de ses mains, après nous être abandonnés, eh bien, voilà, il va faire vraiment de nos vies des merveilles et tout portera du fruit pour sa gloire. Nous devons vraiment lui faire confiance et nous pouvons demander encore une fois la grâce de l'humilité, parce que c'est vraiment notre orgueil qui nous perd, c'est notre orgueil qui nous plonge dans les ténèbres. Alors vraiment ce soir, Seigneur, nous plongeons tous notre ego, notre orgueil, notre amour propre. Voilà toutes ces choses qui enlaidissent notre âme et nous plongeons tout cela dans ton humilité à toi, Seigneur. Et nous te demandons cette grâce de devenir tout petit pour que tu puisses grandir en nous. Jésus, nous t'aimons. Pardon. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons. Au nom de tous, en ta divine volonté, avec ton amour, tes adorations, tes louanges et tes bénédictions. Eh bien, soyez tous bénis et passez une belle soirée dans la divine volonté de Jésus. Et n'oubliez pas, avant de vous endormir, vous refaites un petit bilan de votre journée. Vous pouvez refaire toute votre journée dans la divine volonté de Jésus. Voilà tous ces moments où vous avez oublié de l'appeler. Vous retissez la lumière dans votre âme et vous offrez votre nuit au Seigneur pour que ce soit lui qui vienne se reposer en vous et que votre nuit devienne prière, devienne complètement complète. Parce qu'un acte fait dans la divine volonté, aussi petit soit-il, quel que soit l'acte, eh bien, est complet et rend complètement gloire à la Trinité Sainte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée à tous.